Je faisais la sieste, con. Oh, putain, il est 6h15, là-haut. Allez, donne-moi un saucisson, va. Quel saucisson vous voulez? Saucisson à l'ail, poivre, nature, faut savoir, hein, con. Et soyez polis, je vous en prie, là, hein. Donne-moi un saucisson de nature et on n'en parle plus. Quelle nature vous voulez? Tu reprends complètement rien, con. Oh, qui cagade, oh! Pour un bout de sauciflard, oh! Tiens, donne-moi le camembert, ça ira plus vite, allez, hop, va! Quel camembert vous voulez? Avec les asticots, sans les asticots! Ouf, fâche de con, oh! Il va me faire revenir à transpiration, lui! J'ose même pas lui demander le jus d'orange, tu sais! Il va me demander avec les bulles, sans les bulles! Le jus d'orange, con, je n'en ai plus. C'est pas plus mal, va, on gagne du temps comme ça. Allez, vous voulez une petite bière? Et la bière, je veux de la gros tambour. Un paquet de gros tambour. Paquet de 6, paquet de 12. Oh, te borgno. Oh, écoutez-moi bien, je voudrais du vin rouge. Et de préférence, le vin, vous le groupez dans une bouteille, vous voyez, oh. Avec une étiquette collée de préférence, avec de la colle. Allons-y, j'en peux plus. Pas vous énerver, con. Je vous donne mal la bouteille avec une étiquette collée avec la colle. Bouteille à verre, bouteille à plastique. Oh, les petits coussins, là, oh. Vous plaignez toute l'année que vous n'avez plus de pognon et plus de clients. Mais il faut voir comment vous êtes devenus un merdant, là, hein. Et voilà. Tout ça parce que hier, je l'ai battu à la pétanque. Aujourd'hui, ce couillon, il a les nerfs en boule. Mais j'ai perdu mon truc. J'ai perdu mon papier. Vous n'avez pas vu mon papier? J'ai perdu mon pied. Bon, eh ben tant pis. Oh! J'ai un copain, il est parisien. On peut pas être parfait, hein. Tous les ans, il vient en vacances chez nous, il arrive. Il est blanc, mais il est blanc. Putain, on dirait un frigidaire. Et tous les ans, il repart rouge comme une pastèque. Et tous les ans, il me dit, viens voir Paris, c'est si joli. J'ai dit, bouge pas, je vais le voir ton Paris. Alors d'abord, ma femme, elle n'a pas voulu venir. Elle a eu peur du décalage horaire. Mais nous, avec le boss, on est monté. Eh ben putain, on aurait mieux fait de rester chez nous, hein. Arrivé à Paris, avec le petit, on a cherché les champignons de Paris. Eh ben on les a pas trouvés, hein. Et pourtant, on a bien regardé, même sous la tour Eiffel, c'est pas des champignons qu'il y a, c'est des japonais, faut pas confondre, voilà, hein. Et les Champs-Élysées, oh. Putain, mais qu'est-ce que c'est cette couillonnade, oh. Un monde là-dedans. Sur le coup, j'ai cru qu'il y avait un concours de boules, oh. Ah, voilà. Ouais, Paris, oh. Même le petit, ça l'a traumatisé. Papa, papa, qu'est-ce que c'est cette cagade? Cette cagade, mon petit, c'est un embouteillage. Mais ils travaillent pas, les Parisiens, oh. Ils sont tous toujours dehors, toute la journée. Non, les Parisiens, ils travaillent pas. Ils font travailler les autres. Ils sont tous directeurs généraux. Ils se promènent toute la journée dans leur putain de bagnole pendant que nous, on se tue les nerfs à la belote. Papa, papa, vais la gonzesse, vais la gonzesse. Arrête, couillon, tu me fais honte, c'est pas une gonzesse, hein. C'est la Joconde. Tu la reconnais pas, avec son petit sourire pincé, qu'on dirait qu'elle est assise sur une punaise. Papa, papa, c'est qui la Joconde? La Joconde, c'est la... Il a toujours de ces putains de questions, lui, oh. La Joconde, con, c'est la femme du Père Noël, con. Allez, hop, va. Papa, pourquoi tu dis toujours con? Moi, je dis con, con, putain, ça m'étonnerait, con. Hein. Allez, tais-toi, con. D'accord, con. Et sois poli à ton père, hein. Regarde Paris, regarde la Seine comme elle est belle. Papa, tu crois que les Parisiens font caca dans la Seine, hein? Mais enfin, mais bien sûr que non, alors. Et alors, c'est quoi qui flotte là, papa?
C'est rien, mon petit. C'est un petit bateau, hein, c'est rien. C'est un bateau, ça? Il faut que tu arrêtes de fumer les petites herbes de Provence, hein? Le thé et la parigoulette, ça te monte la tête, hein? Et faut bien les fumer, couillon, les petites herbes. Sinon, à quoi ça sert que du gros et des carcasses, hein? Et ils ont pas la mer à Paris? Eh bien sûr qu'ils ont la mer. Mais eux, la mer, ils ont couillon. C'est la mer de Denis. Et pour bronzer, c'est plus difficile, hein? Non, vraiment. Paris, ça vaut pas le déplacement. La preuve, l'hymne de la France, ça s'appelle pas la parisienne, hein? Ça s'appelle la marseillaise. Roland va maintenant aller chercher le papier qu'il cherchait tout à l'heure pour écrire à son père. Il aura un petit peu mélangé, d'ailleurs il a passé le sketch numéro 3 avant le sketch numéro 2, mais tout le monde s'y retrouvera à la fin. Et il nous reviendra pour ce coup de chapeau ô combien mérité, pour terminer avec son triomphe actuel, les organes. Et qu'est-ce qui vous arrive, mon petit? Eh ben, je suis en train d'éclaircir l'organe de ma voix. Pour vous annoncer la venue... Attendez, avant, je crois qu'avant de vous annoncer cette grande vedette, monsieur a quelque chose à dire. Oui, dans mon petit radio pirate, Bernard Ginguini vient d'égaliser pour la France avec un magnifique but. Wow, voilà une bonne nouvelle, bien accueillie ici à l'Empire. Alors maintenant, vous pouvez, après vous être éclairci la voix, saluer ce show et saluer qui? Une vedette exceptionnelle ce soir pour notre palmarès, c'est Sheila. Oui, Sheila qui nous a fait l'amitié, en exclusivité, de venir nous présenter sa nouvelle chanson. Et il ne la ramène pas. Et nous sommes heureux qu'elle la ramène, cette nouvelle chanson. Bonjour, c'est moi, Annie. J'ai quelque chose de très spécial pour vous aujourd'hui. Prêt? 1, 2, 3. Quand j'étais une môme, guère plus haute que 3 pommes, maman me disait, traîne pas le soir dans le quartier avec des mauvais garçons qui manquent l'école, qui boivent de l'alcool. C'est ce qu'elle dit, maman, elle dit tout le temps. Méfie-toi de l'argent qui se gagne trop facilement. Hors du droit chemin, on tombe vite sur les pépins. T'habilles pas comme un guignol, tu me rendras folle avec ton rock'n'roll. Elle répète toujours la même chose, maman, elle dit que vas-tu devenir, et un peu de respect. Apprends d'abord à vivre, pourquoi n'es-tu pas gay? Y'a plus malheureux que nous ici-bas. Et ne la ramène pas. Ah, maman, c'est une vraie vedette. Même le solo, c'est elle qui l'a écrit. Oui, je suis devenue une vedette très connue. J'ai fait des shows de télé, du cinéma, mais quand je vais lui montrer ma voiture neuve, elle me dit chanter, ce n'est pas un métier. Elle demande toujours la même chose, maman. Dans la vie, que vas-tu devenir? Et un peu de respect, apprends d'abord. Plus malheureux que nous ici-bas et ne l'amène pas. Ça c'est bien maman, Annie. Annie, que vas-tu devenir? Et un peu de respect, apprends d'abord à vivre. Pourquoi n'es-tu pas gay? Y'a plus malheureux que nous ici-bas et ne la ramène pas. Ah, c'est vous la radio et la télévision. Vous savez pourquoi vous êtes là? Pour quelle chanson? Et ne la ramène pas. Vous voulez pas me croire? Tenez, sur la cassette, les applaudissements de mes fans. Pour elle, ma chanson, et ne la ramène pas. Thank you. Vous allez voir, pour l'apprendre, ça va très vite. Je chante, que vas-tu devenir? Vous dites, hey! Et quand j'arrive à la fin, tout le monde avec moi. Et ne la ramène pas. D'accord? Attention, on y va! Que vas-tu devenir? Malheureux que nous ici-bas et ne la ramène pas. C'est pas mal, faites-le. Attention, que vas-tu devenir? Un peu de respect, apprends à
Je sais certain que c'est une chanson avec laquelle Sheila va faire sourire des millions de personnes et fredonner d'autres millions. Un grand succès actif de notre Sheila nationale. Dites-nous, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Ah bah nous, on se fait des petites cassettes pirates. Oui. Mais vous savez que c'est... Pour égayer les traversées. Rien de mieux que le dernier Sheila. Oui, mais c'est interdit, vous savez, c'est absolument interdit. Je vous interdis en plus de pirater les deux derniers sketchs de notre ami Roland McDan. Oh, mais ça, c'est très qui juste. Revient avec sa lettre, sinon écoute. Vous allez être piraté vous-même. Écoute. Et avec ses organes. Je me suis un peu planté dans l'ordre, mais ça va venir. Mais maintenant, c'est bon. Cher papa, je suis bien arrivé chez Pépé. J'ai acheté une 2 chevaux diesel et avec, je tire une carabane. Si c'est possible. Je roule tellement doucement que j'ai toujours l'impression d'être arrêté et que c'est le paysage qui recule. Sur ma voiture, je me suis fait monter des phares qui éblouissent. Ils éblouissent tellement qu'il faut être 2 pour les monter. Un qui ferme les yeux pendant que l'autre les installe. À propos de Pépé, il faudra lui envoyer des dents qui tiennent. À cause que les siennes ne font rien qu'à tomber dans sa soupe. Il est devenu tellement radin qu'il a vendu son coq et que maintenant, tous les matins, c'est lui-même qui monte sur le tas de fumier et réveiller le quartier. Si c'est possible. Il a pris aussi une sale manie. Il coupe la queue de toutes ses vaches pour pas qu'elles puissent faire de mal aux mouches. Ça part d'un très bon sentiment, mais toutes ces vaches sans queue, c'est ridicule. Elles osent plus sortir tellement elles ont honte. Elles passent leur journée cachées derrière les arbres et elles aboient. Elles n'arrivent plus à faire du lait, elles font directement du yaourt. Il y en a même une qui fait le pot de verre qui va autour. Le soir, devant la cheminée, Pépé fume des cigarettes qui sentent bizarre. Avant le soir, il rentrait les foins, maintenant il sort les joints. Quant à moi, à force de courir derrière les filles, j'ai réussi à en rattraper une. C'était pas la plus jolie, mais c'était la moins rapide. Elle a tellement de boutons, au début, j'ai cru que c'était une mercerie. Mais moi, j'adore le petit commerce. Elle m'a dit qu'elle voulait que je lui fasse 5 enfants. J'y ai dit non, car il paraît que sur 5 enfants qui naissent, il y a un chinois. Je l'aime tellement que pour elle, j'ai voulu me suicider au gaz. Mais comme ici, tout est électrique, ça n'a pas été facile. J'ai été obligé de me mettre la tête dans le four. Thermostat 12. Et de respirer à fond les plaquettes électriques. Ça m'a rien fait, mais j'ai bien bronzé. Demain, je pense me suicider avec un suppositoire piégé. La nitroglycérine. Comme tu vois, papa, le moral est pas mauvais. Je te signale également que mon chien s'est fait couper la queue en traversant la route. Du coup, moi-même, je fais très attention en traversant. Signé Zorro, qui t'aime très fort. J'ai un petit creux, quand est-ce qu'on mange? À table, à table! Ici le cerveau, message reçu. Messieurs les organes, en place. Allô la bouche, vous m'entendez? Je vous aime bien, con. Attention, je vous signale le passage d'un œuf dur mayonnaise. Bonjour, bonjour. Ici le foie, comment elle est la mayonnaise? Elle a au moins 3 jours, con. Bonne chance à tous. Bonjour, bonjour, ici le cheveu sur la langue. Vous pourrez parler au paquet de nerfs, si c'est possible. Ouais, c'est paquet de nerfs, ouais, quoi. Que de bête, qu'est-ce que ta gueule, qu'est-ce que ta gueule, hein? Oh, qu'est-ce qui peut être agressif, ce paquet de nerfs?
Bonjour à toutes. Ici les amis Mi, ici les amis d'Ala. Écoutez les enfants, on vient de voir passer le plat du jour, c'est une horreur. C'est du poisson, mes bichons. On manque pour se prendre des arêtes plein la gorge, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Bonjour, bonjour, ici le foin. Comment il est le poisson? Il pue ma biche, mais il pue ce poisson. Allô, oui, oui. Oui, ici la dent creuse, oui, oui. Je suis emmerdé qu'un fil de haricot, là. Est-ce que vous pouvez demander à la langue de me donner un coup de main? Impossible, con. La langue est occupée, elle colle un timbre. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un doigt en panache? Je vous l'envoie tout de suite. Allô, le doigt dans le nez peut descendre dans la bouche. Bonjour, bonjour, ici le cheveu sur la langue. J'aimerais parler à la goutte au nez. Trop tard, elle vient de tomber, rappelez plus tard. Attention, ici la bouche, con. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La dent creuse vient de tomber. Elle s'est pendue avec le fil du haricot. Bonjour à toutes, ici les amis Mi, ici les amis d'Ala. Alors écoutez les dents là-haut, vous pouvez pas mâcher un petit peu, non? On vient de voir passer une nouille de 20 cm, mais c'est insensé cette histoire. Bonjour, bonjour, ici le foie. Comment elles sont les nouilles? Elles sont très bien, ma biche, mais la sauce, elle fouette, mais elle fouette. Ça commence à bien faire. Je renvoie toute la marchandise. Allô, allô, ici le cerveau. Planquez-vous tous, ça remonte. Merci, 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 mon petit Roland, de ce merveilleux organigramme. À bientôt. Nous ne lasserons jamais de donner des coups de chapeau. Mais comment voulez-vous que je m'y retrouve? Mais vous essayez de m'induire en erreur, mais comment voulez-vous que je trouve quel est le vrai McDan pour le mettre à ma radio pirate? Mais comment voulez-vous que je m'y retrouve? Comment vous alors voilà un de plus, vous n'avez pas besoin de vous y retrouver, surtout maintenant que nous allons accueillir à nouveau une très grande vedette. Et ces deux dernières chansons, Guy. Oui, une grande vedette qui nous fait également l'amitié, ce qui prouve que nous avons très bien fait les choses ce soir dans ce palmarès, pour essayer de faire mieux que ce show, j'espère d'ailleurs est toujours nul. Non, pas nul, lui, mais enfin match nul. Puisque nous allons en effet accueillir Michel Sardou. Michel Sardou, qui vous fait ce soir, ami du palmarès, bonsoir Michel, un merveilleux cadeau. Les deux chansons qu'il va interpréter, on peut dire elles sont toutes chaudes. Oui, toutes neuves, elles sortent juste du studio. Juste. Il les a sorties du studio pour le palmarès, c'est-à-dire qu'il connaît à peine les paroles. Vous avez la preuve, regarde, j'ai des nègres. Il y a des nègres partout. Et alors je tiens à préciser que ces deux chansons vont sûrement être en très bonne place dans le grand spectacle que notre ami Michel démarre dans quelques jours, le 16 avril, très exactement, au Palais des Congrès. Oui, bien sûr, je les mets toutes les deux, mais ne me demande pas encore où, je ne sais pas. Je n'ai pas commencé de répéter, je n'ai même pas y penser encore. Beaucoup de chansons belles? Beaucoup, oui. Chansons. Des choses nouvelles, beaucoup de chansons et beaucoup de grandes mises en scène. Enfin, alors on va leur faire un petit clin d'œil, leur disant de se dépêcher de louer parce que les 15 premiers jours, c'est plein à craquer, même les marches sont vendues. Alors si vous voulez avoir les 8 derniers, il faudrait se dépêcher. Ne serait-ce que pour entendre d'ailleurs ces deux chansons qui nous interprètent donc en première télévision mondiale et qui d'ailleurs sont un peu une sorte d'antinomie. Hein. Oui, il y a une chanson sur les femmes, enfin j'aimerais être une femme, et puis un autre sur un homme, mais un très mauvais homme peut-être. Bon, eh bien nous écoutons d'abord, je voudrais être une femme, mais reste quand même Michel Sardou, et un très mauvais homme. Les deux nouveaux titres, Michel Sardou. Dans un voyage au que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant fiater sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des cieux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Être une femme.
femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère, sa police et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, vers le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des camels au planton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et mésiste impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, quand l'a envie de plaît, monsieur, en robe du soir, à talon plat, qu'on voudrait bien appeler papa, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'aux portes jartelles, et au steward rouler des belles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire border la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus, femme conducteur d'autobus, porte trial, vente de puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Les 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, femme des années 80, moi, Colombie de Carl Quint, sa championne de télé sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous police, femme banquière planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au panton, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'aux portes jartelles, et au steward rouler des belles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire bander la France. Commencer dans l'amour et le sang. Une femme m'a mise au monde en hurlant. Elle m'avait gardé comme le pouvoir d'un homme qui ne l'a pas regardé en l'aimant. Seulement mon père. Mon père, c'était un régiment. Vous comprendrez sans doute pourquoi j'ai l'air méchant. Mauvais homme, mauvais mari, mauvais amant, qui tient debout évidemment contre le col et l'escalement. Mauvais homme, mauvais ami et mauvais père, mauvais hypocrite qui veut la mer.
qui s'endort avec un rhum. C'est ça mon testament. Transformer mon passé, mais comment? Être un jour peut-être une Bible ou un enfant, un animal normal, simplement. Mais comment me refaire? Comment revenir en arrière, entrer dans le ventre de ma mère et refaire mon entrée chez les hommes, où je ne suis qu'un mauvais homme qui n'a rien fait de bien en somme, qu'on effacerait d'un coup de gomme. Changer de nom, changer de forme, y'a rien à voir dans ma mémoire. Mauvais homme qui a vendu son âme au diable, mais qui finit tout seul à table, qui n'est ensemble avec personne. Mauvais homme, mauvais mari, qui fait l'amour à des sorcières et qui s'endort avec un homme. Mauvais homme, je suis un mauvais homme. Mauvais homme.
plus jamais que.